Bonjour à tous, c'est Monsieur Sarr et bienvenue à vous sur Tech Tradisport. Ce cours est le prolongement de notre chapitre 2 relatif au procédé de démarrage des moteurs asynchrones. Et dans cette partie, nous verrons le démarrage direct, semi-automatique, à deux sens de marche. Pour cela, nous allons supposer qu'on veuille démarrer un moteur asynchrone dans deux sens de rotation par un bouton poussoir S1 pour le sens 1, S2 pour le sens 2 et un troisième bouton S0 pour l'arrêter. Le circuit de puissance sera représenté comme ceci. À la différence avec le circuit précédent relatif au démarrage direct semi-automatique à un seul sens de marche, un deuxième contacteur sera ajouté. Donc, on aura un contacteur KM1 pour le sens 1 et KM2 pour le sens 2. En ce qui concerne le circuit de commande, il sera représenté comme ceci. Nous aurons un verrouillage électrique à ce niveau, justement, qui va empêcher à ce que le moteur tourne dans les deux sens. Lorsqu'il se mettra à tourner dans un sens, le deuxième sens sera verrouillé. Ok, à ce niveau, nous allons marquer une petite pause et basculer sur schéma applique pour la conception et la simulation de ce procédé de démarrage. Bien, nous sommes sur schéma applique. Et comme à l'accoutumée, nous allons cliquer sur Suite, Conception, Simulation, Bibliothèque électrotechnique. Commençons avec le circuit de puissance. Donc, on vient à Source, Source triphasée plus neutre, on change l'orientation. On va à Protection pour choisir notre sectionneur porte-fusible. Et ensuite nos contacteurs. Donc KM1 pour le sens 1 et KM2 pour le sens 2. Notre relais thermique et notre moteur triphasé. Bien, on n'a plus qu'à faire la liaison. Pour l'inversion de sens, il suffit d'intervertir deux phases. Donc, on peut prendre au hasard la phase 1 avec la phase 3 ou la phase 1 avec la phase 2 qui sont intervertis en entrée ou à la sortie des contacteurs. Ça dépendra de vous. Donc, ça donne ceci. On prend la phase 1. La phase 2, puis à 2. 3, 3. À la sortie, on va inverser. Une vient à 3, 2 à 2 et 3 à 1. Maintenant, réalisons notre circuit de commande. On commence avec un contact appartenant à notre sectionneur, conformément à notre schéma dans la présentation, qui va appartenir à notre sectionneur Q1. Ensuite, le relais thermique. Les boutons poussoirs. Le bouton poussoir arrêt. Et à ce niveau, il faut que vous sachiez que le bémol dans ce logiciel, c'est que on ne peut pas commencer le décompte à partir de 0. Donc, on ne peut pas avoir un bouton poussoir S0. Donc, le décompte commence à partir de 1, ce qui veut dire qu'on sera obligé d'incrémenter le tout. Voilà la petite modification qu'on va apporter. Donc, notre bouton poussoir arrêt sera S1. Et pour le premier sens, S2. Et le second sens, S3. On va ajouter nos contacts appartenant au contacteur KM1, KM2, pour le verrouillage électrique KM2 à ce niveau et KM1 ici choisi. Les bobines de nos contacteurs
En triphasé, on prend 230. Bien, on n'a plus qu'à faire la liaison. Bien, on va tirer une ligne, bien une phase pour alimenter notre circuit de commande. Par exemple, la phase, tout au hasard, 3. Et notre neutre. Bien, notre conception est terminée. Nous allons passer à la simulation. On va cliquer sur simuler et on va fermer nos sectionneurs U1 et démarrer le moteur dans un premier sens puis dans l'autre.